Hello tout le monde, c'est Gap et on se retrouve pour le troisième épisode de la série sur EAG. Donc cet épisode est un peu différent car il est en post-commentary dû au fait que j'ai recordé ça pendant que je faisais autre chose. Et c'est avéré que c'est une bonne partie, donc ça sera comme ça tout l'épisode. Donc je vais à mon spot qui est relativement sympa, puis il y a un mec qui vient piquer ce spot, donc je lui mets deux coups d'avertissement. Et il reste et il essaie de me taper, donc je le termine, c'est pas sympa, j'aime pas trop faire des kills comme ça, mais il avait qu'à pas rester et puis ça m'a fait un petit plastron en fer gratos, donc c'est toujours ça de gagner. Juste après, je suis en train de prendre les dernières pommes et puis je me fais attaquer par derrière par Mad Sword et j'arrive à le contourner et du coup à le tuer en restant midlife, ce qui est relativement pas mal grâce à mes techniques de PVP, contourner les gens, et ça fait un premier kill plutôt sympathique. Un petit peu plus tard, après m'être un peu mieux stuffé, je croise quelqu'un, Flazizou. Donc je prends ma pomme d'or, lui il a une moins bonne armure que moi mais il a une épée en diams, donc je vais devoir la jouer fine. Au début on est à peu près à égalité, puis je commence à le contourner même s'il me donne des coups et finalement j'arrive à le vaincre et donc ça me donne une épée en diams. C'était quand même un joli fight et puis ça fait une épée en diams, donc encore une upgrade pour mon stuff et un joli kill. Un petit peu plus tard, il y a quelqu'un qui vient, il me fait un signe d'Ali, mais vous me connaissez, j'ai pas accepté. Il a une épée en diam, semi une armure en cuir, donc ça fait qu'il est très facile à vaincre, en 4 coups il est déjà mort. Et comme vous connaissez les gens sur ce serveur, regardez ce qu'il va dire dans le chat, vous allez voir, je pense que vous avez déjà deviné. Voilà, je cheat, évidemment, et bon, pour une fois pour troll, je dis que oui, je cheat tellement, voilà. Et donc du coup là, je continue d'avancer, je vais à mon ancien spot où j'allais tout le temps avant. Puis bon, là ça continue à troll dans le chat, il y a Wolf qui troll. Mais bon, c'était quand même un beau kill, un beau défonçage du Kiku et... Et puis c'est toujours ça de fun pour les vidéos. Assez longtemps après, je vois quelqu'un qui est piégé dans le piège. Je me décide que je vais pas le tuer parce que ça serait... Il dit qu'il a des underpearls, mais bon, de 1 c'est pas sûr, et de 2 ça me ferait quand même perdre 2 coeurs et demi plus les potentiels coups qu'il pourrait me mettre. Et en plus de cela, ça serait un peu stupide étant donné qu'il reste Wolf, qui n'est pas nul au PvP, donc il faut garder toute sa vie pour avoir le plus de chances de win. Donc beaucoup plus tard, comme vous pouvez voir, il fait nuit, la lune est levée, le piégé s'est suicidé, et voyez-vous qui j'aperçois, Wolf. Donc il me voit pas, donc j'en profite pour le sniper, même si on dirait que je fais n'importe quoi vu que je loupe toutes mes flèches. Finalement il finit par me remarquer, mais il prête pas plus attention que ça, il essaye juste d'éviter mes flèches et c'est une bonne technique. Je finis par lui en mettre une, mais bon, ça va pas non plus m'aider. Et je décide finalement de descendre pour essayer de faire un beau fight contre Wolf, vu que ça arrive souvent qu'entre nous il y a des épiques combats, donc ça serait bien que ça se reproduise encore une fois. Donc là, Wolf finit par répliquer, il m'envoie quelques flèches que j'essaie d'esquiver tout en les récupérant pour lui en envoyer moi aussi. Je mange pendant ce temps, lui il s'enfuit et il fait une chose très intelligente, c'est qu'il grimpe en haut de la montagne pour comme ça il aura une vue d'ensemble et si j'essaie de monter il pourra me tirer dessus plus facilement et c'est vraiment une bonne technique. Et donc du coup, moi comme un imbécile, j'essaie de grimper. Et lui il est en haut avec son arc, donc c'est sûr que j'aime recevoir une flèche et c'est ce que je fais, donc je décide de partir pour plus de sécurité parce que j'ai pas envie de mourir bêtement comme ça, ça serait gâcher la partie. Je décide donc de le contourner par mon ancien spot par lequel je passais habituellement avant, jusqu'à que je fasse des vidéos dessus et que tout le monde... Et là je vois qu'il m'a pas vu, donc j'essaie de le suivre et d'essayer d'attaquer. Je m'approche, je lui envoie un coup, ça le fait valser. Il essaye de me taper, il essaye de me tuer, sauf que je l'ai pris par surprise, il avait aucune chance et il est mort. Au début j'étais content parce que c'est quand même une win contre Wolf, mais après je me suis dit que c'était un peu nul. Parce qu'on aurait pu faire un fight qui valait beaucoup mieux que ça, quitte à perdre, ça aurait toujours été un énorme fight comme il nous est plusieurs fois arrivé d'en faire. Mais bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine. Allez, bye bye.